Good morgen. Allez, Idan et Lotus sera aujourd'hui le Nishmat Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claude Itzrak Ben Fortune Mazal et Sarah Bat Ita Beto. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez le Saint-Denis éternel. Nous étions à Masechet Shkalim, Perek Dalet, Mishnah Chet. Hamakdish Nechassim, Vehayu Ba'en Dvarim Re'uin, Alga Beya Mizbeach. Yenot Shmanim Ve'ofot. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Elazar Omer. Attention, c'est Rabbi Elazar Ben Shamoua, pas Rabbi Eliezer ou Ben Kenos qu'on avait dans la mission précédente. Rabbi Elazar Omer, Yimacheru le Tzorkei Oto Hamin, Veyavi Bidmen Olot, Mouchar Nechassim Iplu Nebedek Abayit. On a ici une Mishnah qui est directement, ça reprend le même sujet de la mission précédente, mieux que ça, on a un Rabbi El-Hazar qui pense bidu comme Rabbi Yoshua de la Mishnah précédente, de manière plus large, qui va être mieux expliqué encore. On parle d'une personne qui sanctifie tous ses biens, sans préciser la destination de chaque élément. Or, lorsque je sanctifie mes biens, il peut y avoir deux destinations. Soit la trésorerie du Beth Amikdash, soit les korbanot, spécifiquement en faire un korban. Lorsque je sanctifie mes biens sans rien préciser, de manière générale, l'intention elle est pour la trésorerie, pas pour en faire des korbanot. D'accord? Ça, c'est de manière générale. Malgré tout, la Mishnah va maintenant m'enseigner que les choses qui sont aptes à monter sur le Mizbeach, ton intention tacite, on l'interprète qu'elle va être d'en faire des korbanot, et même mieux que ça. Dans la Mishnah précédente, on avait juste parlé de korbanot, on avait parlé de Ola et de Shlamim. Là, maintenant, on va voir qu'il en va de même aussi s'il y avait du vin, s'il y avait de l'huile, s'il y avait des volailles. Ton intention, elle était que tout ce qui est apte, et un tzad Mizbeach, ça s'appelle, tout ce qui est apte à monter sur le Mizbeach, alors ton intention tacite, elle était d'en faire, de le sanctifier pour le Mizbeach. Mais attention, pas pour que eux mêmes vont être tes korbanot personnels, mais plutôt que ces choses-là, ça va être déduit de Tsukim, ces choses-là, on va les vendre, et leur contre-valeur, la caisse du Mizbeach, des korbanot, va récupérer l'argent pour en faire des korbanot. D'accord? On lit tout ça dans les mots, et puis après, on explique la source de toute ces halakhot. C'est tout ce début de Psukim, selon lui. « Amagdish Nechassim, celui qui sanctifie ses biens, vayu ba'in dvarim ruin al gabe mizbeach. » Il y avait dedans des choses qui étaient aptes à monter sur le Mizbeach. Comme par exemple, il y a note des vins, du vin, on faisait des oblations de vin. « Shmanim, des huiles d'olive. »« Ve'ofot. » Et il y avait des volailles aussi. D'accord ?« Torim obnei yona. » Pas toutes les volailles, juste les torim, les tourterelles, ou les pigeons Bnei Yona, de jusqu'à un an. Sur ça, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar me dit, Imachru le tzorke oto amin, vends-les pour retirer leur, soutirer leur contre-valeur à des personnes qui ont besoin d'amener ces korbanot. Donc, Yenot, tu as trouvé, Yenot Eshmanim, tu as trouvé des personnes qui ont besoin d'apporter des korbanot et qui vont devoir apporter des Nesachim, vends-les pour la caisse des Nesachim. Et Léophot aussi, quelqu'un qui doit apporter une Olataof. Veyavi bidmehen olot, il apportera par leur contre-valeur des holot, tandis que Ushar Nechassim, Iplou le Bedek Abayit, tous les autres biens qu'il a vont tomber dans la caisse de la trésorerie du Bet Amigdash. D'accord? L'origine de tout ça, on le fait le Barthénon ensemble. Je suis dans le Dibor à Madrid qui commence à Rabbi El-Hazar, Garcinan Velo Rabbi Eliezer. Il me dit le Barthénon, attention, lis Rabbi El-Hazar, pas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était la mission précédente qui pensait que tout tombe pour la caisse du Bedek Abayit. Là, on est avec un Rabbi El-Hazar qui me dit non! Une partie pour la caisse du Bedekabait et une partie pour la caisse des Korbanot. Et quoi? Alors ça se passe comme ça. Vetama de Rabbi El-Hazar, mais Farash Yerushalmi, le Yerushalmi explique l'origine du Rabbi El-Hazar, la source, parce qu'il y a marqué d'Irtiv le Chol Nidrem, ou le Chol Nidvotam, Asherin Kivu Lachem, le Ola. Il y a un passou comme ça, un peu, qui a une redondance, que ça va vers la conclusion des Korbanot, que pour tous vos vœux et tous vos offrandes, que vous apporterez d'eux des holot. Et de là, il interprète comme ça. Kol Mashem, Nodrim, Umitnadvim, Midvarim, Asher, écrivez-vous l'Hashem. Afelo Yenotu Shemanim Saltot, Yele Ola. Tout ce que tu vas sanctifier sur des choses qui sont Asher, écrivez-vous l'Hashem, en fait, c'est pas que ton intention elle est d'en faire un korban, mais c'est que tu sanctifies des choses qui sont aptes à en faire des korbanot. Kol Nidrim, Kol Nidvim, Asher, écrivez-vous l'Hashem. Que ce sont des espèces qui sont censées monter sur le Mizbeach, alors dans ce cas-là, yé les hola, tu en feras des holotes. Comment je vais faire une hola avec du vin?
Réponse, ben, tu vends, tu récupères l'argent et tu amènes encore une ola avec la contre-valeur. D'accord? Maintenant, peut-être qu'il devra les apporter eux-mêmes, mais ça c'est déduit après au Imigdishov, le déduit Babakar ou Bakebaksebim ou Maizim, c'est. Mais c'est bon, c'est déduit que concrètement, si c'était des Kvasim ou des Izim, des moutons, Bakar, Keves, Izim, des moutons, du gros bétail, des taureaux, des Izim ou Kvasim, des chèvres et des moutons, alors eux, tu les offres eux-mêmes, mais sinon, alors tu feras avec leur contre-valeur une Ola, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.